Bonjour à tous, je m'appelle Nadi Bouana, je dirige Adminext, qui est un opérateur de transformation numérique du service public. Nous intervenons au travers de deux métiers, le conseil en stratégie numérique et le conseil en organisation, et l'édition de la plateforme Citizen de dématérialisation du service public. La société est très active en R&D, puisque nous investissons à peu près 40% de notre chiffre d'affaires depuis notre création en 2008. Elle est également investie dans la promotion de l'édition logicielle en France, au travers de l'association FL Power, notamment, et en forte croissance. Alors, qu'est-ce que la dématérialisation du service public ? C'est, comme le disait Éric Le Gall tout à l'heure, travailler sur l'expérience utilisateur et la dématérialisation de cette relation de bout en bout. Mais c'est surtout regarder ce qui se passe derrière le rideau et travailler sur les processus internes pour que les gains soient effectifs à la fois pour l'administration et pour les usagers, au travers de la réconciliation des différents canaux, au travers de processus de traitement et de circulation des différentes demandes et des dossiers des usagers, et enfin au travers d'un parapheur électronique qui permet de valider les positions de l'administration. Alors, nos clients, pour faire très, très simple, nous travaillons avec un certain nombre de ministères. La présidence de la République nous a également retenus pour opérer l'ensemble de son courrier, l'ensemble du courrier présidentiel, la région Poitou-Charentes, Loire-Atlantique, et sur l'île de France, un certain nombre de communes, la ville de Créteil, Villepinte, Bois-Colombes, nous ont retenus pour déployer la plateforme Citizen. Alors, comment souscrire à l'offre Citizen ? Alors, au travers de marchés publics classiques, mais il faut savoir également que nous sommes référencés auprès de l'UGAP, qui permet donc d'acquérir nos licences sur simple bon de commande en toute sécurité juridique, auprès du CIPEREC, qui est un groupement d'achat sur l'ensemble de l'île de France, et enfin, Infocom 94 opère notre service pour le compte de 16 communes. Voilà. Ce que je vous propose peut-être pour terminer, c'est une courte vidéo de présentation des grandes fonctionnalités de la solution. Global de services publics dématérialisés et simplifie les échanges entre les citoyens et les agents publics par le biais d'un portail de démarches en ligne pour les usagers et d'une application de gestion et d'instruction des demandes intégrant un parapheur électronique pour l'administration. Prenons un cas concret. Julien est un citoyen comme vous et moi. Il aimerait contacter le maire de sa commune pour lui proposer des améliorations sur le plan urbain. Après une recherche sur Internet, Julien découvre qu'il peut contacter sa commune directement avec Citizen. Il s'inscrit sur le site en quelques clics et accède à tous les services qui lui sont proposés avec l'appareil de son choix. Julien clique sur le service écrire au maire et rédige le message. Julien ajoute un schéma et quelques photos pour expliquer sa demande. Ces fichiers peuvent être stockés dans son porte-documents sécurisé pour être facilement réutilisés dans le cadre d'autres démarches. Il envoie son message et c'est fait pour moi. L'agent chargé des relations avec le public reçoit instantanément la requête depuis son espace Citizen. Julien aurait pu écrire, téléphoner, aller au guichet. Citizen accueille toutes les demandes, quel que soit le canal choisi. L'agent enregistre ensuite la demande et il la transmet immédiatement au service traitant la sollicitation. Julien constate que sa demande a bien été prise en charge par la mairie. Le responsable du service se connecte et visualise le dossier. Il peut l'affecter à un agent en lui recommandant de traiter ce dossier en priorité. L'agent se connecte et trouve une nouvelle demande à traiter dans ce dossier affecté. L'agent peut dialoguer avec Julien pour lui demander des précisions. Il prépare sa réponse à partir d'un modèle de document à la charte de sa mairie. Il construit un circuit de validation jusqu'au maire et il envoie la réponse dans le circuit. Le responsable de l'agent visualise la réponse, il la valide et il la fait passer à l'étape suivante. Le maire visualise la réponse, il la signe en insérant sa signature dans la réponse et il valide l'envoi. Julien reçoit sa réponse sur son espace personnel Citizen. Ses remarques ont été entendues. Il consulte les autres démarches disponibles et il constate qu'il peut s'adresser à sa mairie pour toutes sortes de demandes. Inscrire ses enfants aux activités périscolaires, demander un acte d'état civil, demander un permis de construire, etc. En résumé, Citizen pour le citoyen, c'est un moyen de contacter rapidement l'administration et de suivre le traitement de ses demandes. Citizen pour l'administration, c'est un moyen de traiter
l'établissement les demande d'avoir un réel suivi de la relation usager et de mieux piloter l'activité des services. C'est un logiciel flexible, complètement accessible depuis le web. Il prend en compte votre organisation avec un paramétrage personnalisé. Citizen est disponible en cloud selon trois niveaux d'offres et également en box installé sur vos serveurs. Alors n'hésitez plus, contactez-nous. À bientôt. Merci à tous.